Bonjour, je me présente, je suis Pénélope, auteur-illustrateur. Je conçois, écris et dessine des livres. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des ouvrages destinés à la fois aux sourds et aux entendants, tous réunis. Depuis 2012, je travaille en collaboration avec l'Institut national des jeunes sourds de Paris, et notamment Monique Gendreau, interprète en langue des signes. Pour les deux titres précédents, Des mains pour dire je t'aime et Parle avec les mains. En septembre 2017, je propose à l'event Bescardès, poète comédien sourd, de créer des poèmes en langue des signes sur le thème des couleurs dans le but de réaliser un ouvrage et à Monique de participer au projet. Je souhaite concevoir un livre en accordéon pour transcrire la fluidité des poèmes et de la langue des signes, avec des aplats de couleurs qui scandent visuellement l'ouvrage et créent une gamme colorée. Nous nous réunissons régulièrement, tous les trois, dans un travail d'équipe pour échanger au niveau de la conception des poèmes, mais aussi de la justesse des dessins, de façon à ce qu'ils transcrivent précisément les signes. Nous nous comprenons grâce à l'aide inestimable de Monique et au langage universel de la création artistique. Avec l'Institut national des jeunes sourds de Metz, Madame Singer-Sécotis, directrice, et Annie Bourgeois, responsable de la communication, nous mettons en place une collaboration. D'une part au niveau de la réalisation de la vidéo, mais également d'une exposition et intervention. Brigitte Morel, directrice des éditions des Grandes Personnes, continue avec enthousiasme et fidélité à soutenir mes projets et mon travail. Bonjour, je suis Monique Gendreau. Je travaille comme interprète, langue des signes française-français. Je travaille sur les deux langues, du français vers la langue des signes et de la langue des signes vers le français. Pénélope vous l'a déjà expliqué, nous avons travaillé ensemble toutes les deux sur deux ouvrages qui ont été publiés depuis. Aujourd'hui, nous travaillons sur le troisième ouvrage, un ouvrage vraiment original. En effet, c'est la première fois que nous travaillons sur des poèmes en langue des signes, sur le thème des couleurs. Nous avons choisi deux couleurs, rouge et bleu. L'event s'est chargé de créer les poèmes en langue des signes et Pénélope les a illustrés. Ça se déroule effectivement sur un livre en accordéon, très original, avec des aplats de couleurs qui suivent le rythme des poèmes. Ça a été entre nous trois des échanges très riches. Je n'ai pas été là uniquement pour traduire les propos, mais également pour participer pleinement au projet et son élaboration. Beaucoup de plaisir entre nous. Aujourd'hui, je suis curieuse de voir la version imprimée. Je suis très motivée et j'ai beaucoup aimé travailler avec eux.